DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La FIFA va donc suspendre la Fédération Congolaise de Football Association. C'est une révélation faite par le journaliste d'investigation Romain Molina dans un article publié il y a une heure sur sportnewsafrica.com. Romain Molina indique que ceci fait suite aux multiples scandales ayant secoué la Fédération Congolaise de Football Association, notamment les abus sexuels sur mineurs révélés par Sport News Africa il y a quelques mois. Ainsi donc, la FIFA a décidé d'introniser un comité de normalisation après la trêve internationale. Outre ce dossier poursuivi à Sport News Africa, un nouveau scandale de détournement des fonds a donc éclaté le mois dernier au sujet des droits TV liés aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La somme que la Fédération Internationale de Football Association a versée doit être allouée au développement du football congolais et à des projets concrets en ce sens. Elle ne peut servir de bonus, ni aux membres du comité exécutif, ni à quiconque, écrivait la FIFA dans une correspondance datée du 10 février dernier. Et cette mise en garde a donc été suivie des faits, puisque la Fédération internationale de football association annoncera après la trêve internationale qu'un comité de normalisation remplace l'administration actuelle de la Fédération congolaise de football association. Une décision également motivée par des raisons politiques. Les instances footballistiques et particulièrement le secrétaire général de la CAF, Véron Mossengo, ont peur que les prochaines élections soient remportées par un des hommes de Constant Omari, selon en tout cas cette révélation de Romain Molina. Vous le savez, l'ancien président de la Fédération Congolaise de Football Association, avec qui la bruit est un secret des polichinelles. Également, l'intronisation de ce comité de normalisation intervient d'ailleurs avant une suspension d'un officiel de la Fédération Congolaise de Football Association, ce qui pourrait poser des questions quant à la légitimité de celui-ci et ouvrir la porte à un appel auprès du TAS. Nous allons y revenir dans nos prochaines interventions. Nous allons tenter de joindre dans les prochaines heures Romain Molina qui vient de faire cette révélation, je le disais, il y a quelques minutes sur Sport News Africa. Et pendant ce temps, nous sommes dans la fièvre de cette double confrontation RDC-Mauritanie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est déjà pour ce 24 mars, la manche aller qui va se jouer à Lubumbashi. Ça sera au stade TP Mazembe de la Cameroun. Doit partir de 14h heure de Kinshasa, il sera 15h à Lubumbashi. Gros plan sur la formation avant, bien sûr, de revenir sur l'effectif de la RDC. Gros plan sur la Mauritanie. La Mauritanie qui compte 4 points, a pris sa victoire devant le Soudan et un nul face au Gabon. Gros plan sur ce qui pourrait être le 11 des départs des Morabitoun. Et c'est avec notre confrère Papi Katassi. Au niveau du compartiment des gardiens de but, sûrement c'est Babacar Niassé, l'acteur sur le terrain de CD Tondela en division inférieure au Portugal, qui sera sûrement titularisé le 24 mars à Lubumbashi au stade TP Mazembe. Ensuite, au niveau bien sûr de la défense, on retrouve un certain Mohamed Dela Yali. Il est actuellement sur le terrain de la formation de FC Nouadhibou. C'est une équipe locale qui est le véritable roc. Hein. C'est un élément catalyseur du système défensif des Mauritaniens. Sûrement celui qui sera aussi le capitaine des Almoravides lors de la double confrontation. Et bien sûr, pour assister le capitaine de la formation, bien sûr, de la Mauritanie,
au niveau de la charnière centrale. Le coach Amir Hamidou a fait appel à Lamine Ba, lui aussi qui a joué le match face au Soudan et au Gabon. Il est actuellement sur le terrain de la formation du Progress Niederkorn. Ça, c'est un club en division nationale du côté de Luxembourg. Et dans l'entrejeu, le coach des Faucons du désert dispose de deux pions non de monde. Hein. Il s'agit de El Hadji Ba. Il a 30 ans, ce monsieur, il est né à Aulnay-sous-Bois en région parisienne. Il est formé au Havre Athletic Club. Pour l'instant, il est en Chypre au niveau de la formation des Apollon Limassol. Et la paire défensive au niveau de l'entrejet sera bien sûr complétée par Gueussouma Fofana, un vieux routier aussi de 30 ans. Sous c'était la formation des Nîmes Olympiques en division inférieure en France. Il mesure 1m84. Il est formé au Havre Athletic. En attaque, et là c'est le point fort hein, de la formation de la Mauritanie et qui dispose d'un véritable tueur, un monstre du football, vitesse, percussion, précision. C'est Aboubakar Camara, surnommé AK-47. Il est professionnel depuis 2015. C'est un véritable groupe trotteur. Hein. C'est un joueur à surveiller comme du le sur les faits. Un autre attaquant, c'est Idrissa Thiam qui évolue à la maison au sein de la formation des ASAC Concorde. Voilà, c'était là notre confrère Papi Katassilé de Antenna. Ils l'ont révélé sur ce qui pourrait être le 11 des départs de cette formation de la Mauritanie qui va sûrement tenter hein, de faire un bon résultat à Lubumbashi. 4 points pour la Mauritanie face à la RDC. La RDC qui va tenter de remporter sa première rencontre dans ce groupe et se relancer. Et puisque nous parlons de la République démocratique du Congo, il faut déjà signaler qu'il y a 17 Léo part à Lubumbashi pour cette rencontre. D'autres vont arriver dans les prochaines heures. Nous allons vous donner quelques noms. Il y a déjà Moukoko Amali qui est à Lubumbashi depuis le dimanche, tout comme Arsène Zolakiaku, Jackson Muleka, Johan Wissa, Gaël Kakuta, Merveille Bopé Boukadi, William Balikwisha, Vumpa Katumpa, Sila Swamandi Touka qu'on connaît tous, il est voulu en Allemagne. Il y a également Gaëtan Laura qui sera de la partie, Aldo Kaloulou, Samuel Moutoussami, Jordan Ikoko, Aaron Chibola, Arthur Maswaku et Lionel Mpassi. Il ne reste que 12 joueurs pour compléter la liste de 29 sélectionnés par Sébastien Desabre pour cette double confrontation. Et il y a eu déjà cette première séance d'entraînement qui a eu lieu sur place à Lubumbashi, c'était à ce lundi. Et nous allons revenir sur cette rencontre en long et en large déjà dans nos prochaines interventions sportives, puisqu'il faut signaler que c'est un match très très important pour la RDC qui veut rester en vie dans ses éliminatoires. Et pendant ce temps, aujourd'hui, il y avait cette résiliation du contrat à l'amiable entre Koumadraman et l'ASV Club de Kinshasa. C'est donc une fin d'une histoire brève pour cet attaquant burkinabé qui n'a pas joué le moindre match officiel avec l'équipe vert et noir de Kinshasa. Lui qui est arrivé en décembre 2022, mais Koumadraman va donc quitter le pays sans pour autant jouer le moindre match, tout simplement parce qu'il a été jugé inapte, après avoir contracté beaucoup de blessures aux entraînements, et les deux parties ont donc décidé de se séparer à l'amiable. Et ce n'est peut-être pas l'unique séparation du côté de l'ASV Club qui pourrait annoncer plusieurs départs dans les prochains jours. Pour quelles raisons? Nous allons écouter à l'entraîneur de cette formation vert et noir de Kinshasa, Raoul Chungu. Nous lui avons posé cette question, c'était après le nul de VEC Club face au WAC le samedi dernier à Brazzaville. Il y a eu certains joueurs qui ont eu des problèmes administratifs. Il y a eu des joueurs qu'on a pris par après, ils sont blessés. Et les autres, on a retrouvé qu'ils avaient des problèmes de santé. Alors, on ne pouvait pas les utiliser. Il y a ceux qui n'étaient même pas qualifiés. On a un groupe de, je crois, de 28 joueurs qu'on utilise. Voilà, 28 joueurs seulement au moment où VEC Club s'était offert au moins 20 recrues avant le début de cette saison. Et jusque-là, le club n'a que 28 joueurs. 28 joueurs qui vont tenter également de jouer la dernière journée de la Ligue de Champions de la CAF. Ce sera dans 2 semaines en Angola. Un match honorifique puisque l'ASV Club est déjà éliminé de cette compétition. Merci infiniment.